Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre série de webinaires, les prochaines étapes de la lutte contre la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'organiser ce webinaire avec l'Organisation des normes en santé, HSO, concernant le développement de nouvelles normes nationales en soins de longue durée au Canada. Je suis à Ottawa et je tiens à souligner que mon bureau d'Ottawa est situé sur le territoire non cédé de la nation algonquine, Anishinaabe. Et c'est un honneur pour moi que de prendre la parole depuis cet endroit aujourd'hui. Nous sommes heureux d'offrir ce webinaire en anglais et en français avec interprétation simultanée en français. Si vous souhaitez écouter en français, veuillez sélectionner français dans le menu d'interprétation au bas de votre écran. Nous vous invitons à utiliser l'une ou l'autre des langues officielles lorsque vous saisirez vos observations dans la boîte de clavardage. Cette séance sera enregistrée et vous pourrez en partager les archives avec vos collègues s'ils ont raté le webinaire. Le programme SLD Plus et la série de webinaires sont fondés sur le rapport Repenser les soins aux personnes âgées, lequel a été publié en juillet il se concentre sur les pratiques prometteuses dans six domaines clés qui pourraient réduire le risque de futures épidémies. Nous sommes heureux d'offrir ce programme en partenariat avec le BC Patient Safety and Quality Council, l'Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, la CMTS et la Fondation de l'AMC. C'est avec plaisir que je vous présente à présent nos conférenciers pour aujourd'hui en partenariat avec HSO. Le Dr. Samir Sinha est directeur de la gériatrie du système de santé SINAI et du réseau universitaire de santé de Toronto. Professeur de médecine à l'Université de Toronto, directeur de la recherche sur les politiques de santé au National Institute on Aging de l'Université Ryerson. Boursier de la fondation Rhodes, le Dr. Sinha est un clinicien très estimé. Il a récemment été nommé au Conseil national des aînés du gouvernement du Canada et il dirige également l'élaboration de nouvelles normes nationales en soins de longue durée. Le professeur Alex Mihalidis est le vice-président associé des partenariats internationaux de l'Université de Toronto et directeur scientifique du réseau de centre excellence Agewell qui se concentre sur le développement de nouvelles technologies pour les personnes âgées. Il est professeur au département des sciences du travail et de l'ergothérapie et au département de génie bio biomédical ainsi qu'au département d'informatique. Il a un doctorat en bio, en bioingénierie de 2002 de l'université Strathclyde en Écosse, il mène des recherches dans le domaine des technologies d'aide aux personnes âgées depuis 17 ans et il a publié plus de 200 articles et résumés dans ce domaine. Il est également très actif en tant qu'ingénieur en réadaptation, en tant que membre et ancien président de la Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of North America ou RESNA. À vous, Dr. Sinha. Merci, merci beaucoup Tania. C'est un honneur et un privilège pour moi d'être présent aujourd'hui accompagné d'Alex Mihailis. Nous présidons des comités différents, mais nous nous voyons comme co de ce travail fondamental, tandis que nous tâchons de mettre au point de nouvelles normes en soins de longue durée pour le Canada. Alors nous sommes ici pour partager un peu plus d'informations par rapport à ce que nous faisons, comment nous... Tentons de mobiliser les gens que ça intéresse et comment vous pouvez participer à ce travail. Alors, je vais commencer la communication et Alex se joindra à moi un peu plus tard pour présenter le travail qu'il fait à titre de président du groupe CSA et de son comité technique. Alors, le programme d'aujourd'hui vise à expliquer pourquoi HSO et CSA mettent au point de nouvelles normes nationales pour les soins de longue durée, comment ces normes seront mises au point et ce qui a été fait jusqu'à présent. Nous souhaitons également présenter certains des résultats préliminaires du premier sondage national de HSO. Il s'agit d'une enquête qui est réalisée pour éclairer le travail de HSA et de CSO. Et nous voulons aussi vous présenter des idées à savoir comment le public peut participer à l'élaboration de ces normes en matière de soins de longue durée. Et nous aurons beaucoup de temps pour vos questions également. Alors, qui sont HSO et le groupe CSA ainsi que le Conseil canadien des normes ou CCN? Alors, nous avons beaucoup d'acronymes, vous le savez, un peu comme ESC pour Excellence en Santé Canada. Alors, histoire de vous dire de quoi il s'agit. En fait, nous voulons vous expliquer quels sont ces organismes. Vous voulez sans doute savoir si... C'est ce dont il est question lorsque le gouvernement canadien parle d'établir de nouvelles normes. Alors, nous souhaitons vous présenter les organismes principalement intéressés à la question au Canada. Alors, HSO, ou l'Organisation des normes de santé, élabore des normes, des programmes d'évaluation et d'autres outils visant à améliorer la qualité des services de santé au Canada et d'ailleurs ailleurs dans le monde. Alors, vous connaîtrez les normes HSO si vous avez participé, par exemple, aux efforts d'agrément Canada dans les établissements de soins de longue durée, dans les centres hospitaliers et ailleurs. CSA est également un nom très connu au Canada, l'Association canadienne de normalisation qu'on appelle groupe CSA. Il s'agit d'un organisme sans but lucratif qui met au point des normes et des codes dans bien des domaines afin de répondre à un large éventail de secteurs d'activité et de parties prenantes. Et enfin, HSO et groupe CSA sont des organismes reconnus pour l'établissement de normes. Par qui sont-ils reconnus Eh bien, par le Conseil canadien des normes, le CCN. Il s'agit d'une société d'État fédérale qui dirige et facilite l'élaboration et l'utilisation de normes nationales et internationales au service d'agrément au Canada. Alors, si on veut mettre au point des normes, bon, on peut faire ce qu'on veut, mais si on veut être reconnu au Canada, eh bien, il faut que ces normes soient reconnues par le Conseil canadien des normes, le CCN. Il faut adhérer aux normes du CCN. Alors, quelles sont ces normes et comment sont-elles mises au point Lorsqu'on parle de normes, on se demande précisément de quoi il est question. Alors, souvent, on ne réfléchit pas tellement à ces normes jusqu'à ce qu'on nous demande de le faire. Les normes existent dans tous les aspects de la vie au Canada. D'ailleurs, ce sont ce qu'on appelle l'infrastructure invisible. C'est ce qui nous permet de travailler, de vivre en sécurité et de nous épanouir d'ailleurs. Elles peuvent devenir la base de choses comme la loi, les politiques, les règlements et les normes d'agrément. Alors, la mise au point de normes HSO est supervisée par les comités techniques et les normes sont également soumises à un processus d'examen public qui permet au public et aux parties prenantes de donner leur point de vue. Le groupe CSA est un chef de file en matière de recherche, d'élaboration, d'éducation et de promotion des normes. Les normes techniques et de gestion élaborées avec ses 10 000 membres améliorent la sécurité, la santé, l'environnement, la rentabilité économique au Canada. Et ailleurs. Alors, HSO et le groupe CSA sont tous deux reconnus par le CCN à titre d'organisme responsable de l'élaboration de normes. Alors, pourquoi HSO et le groupe CSA élaborent-ils de nouvelles normes nationales? Eh bien, ça ne vous étonnera pas que la COVID-19 a mis en lumière les lacunes et les besoins du système canadien en matière de soins de longue durée. Quelque 58 de tous les décès liés à la COVID-19 au Canada, soit plus de 15 000, sont survenus dans des établissements de soins de longue durée et des résidences pour personnes âgées. HSO et le groupe CSA ont soumis au CCN diverses propositions afin d'élaborer deux nouvelles normes nationales complémentaires en matière de soins de longue durée. Le CCN a accueilli favorablement ces propositions et accepté de financer l'élaboration de ces normes pour 2021-2022. C'est en réaction au gouvernement fédéral lui-même qui s'est engagé l'année dernière à collaborer avec les provinces et territoires afin d'établir de nouvelles normes nationales en matière de soins de longue durée. Vous avez peut-être entendu le ministre de la Santé en parler au printemps 2020 et lors du discours du trône en 2020, dans ses lettres de mandat adressées au ministre de la Santé et des Aînés, le gouvernement fédéral disait clairement qu'il voulait financer la mise au point de nouvelles normes nationales en matière de soins de longue durée. Les normes ne sont pas un processus politique, cependant les normes elles-mêmes... Alors, je vais vous demander de cacher le sondage pour le moment. Enfin, alors, lorsque... Le gouvernement fédéral veut une norme, il se tourne vers des sociétés d'État, dans ce cas-ci le Conseil canadien des normes, ou CCN. Et c'est dans ce contexte que HSO et le groupe CSA proposent de le faire. Alors le budget 2021 a également... Accepter de verser 3 milliards de dollars pour appuyer la mise en œuvre de ces nouvelles normes lorsqu'elles seront achevées l'année prochaine. Alors, nous avons des questions qui ont été affichées à l'écran. Alors, beaucoup de gens participent, mais. Alors, je pense qu'on peut commencer par la première question. À votre avis, les établissements de soins de longue durée au Canada offrent-ils des soins sécuritaires, fiables et de grande qualité Alors, je vous demande de répondre à cette question. Alors, 99% du groupe déjà estime que les établissements de soins de longue durée devraient être tenus de respecter les normes en matière de soins de longue durée. Et il y a une répartition assez égale entre accords et désaccords, à savoir si les établissements de soins de longue durée au Canada offrent des soins sécuritaires fiables et de grande qualité. Bien. Alors, nous allons passer au prochain sondage. Et dans celui-ci... Je pense que vous pouvez toujours voter. Alors, à votre avis, les établissements de soins de longue durée, bon, on va éliminer le sondage. Ah, bon, voici. Alors, nous avons une autre question ici qu'on voulait vous poser. Quel type d'établissement représentez-vous? Soins de longue durée, résidence pour personnes âgées ou centre d'hébergement? Alors, dites-le-nous. Nous voulons savoir qui est notre public. Et ensuite, la deuxième question est, quel est le statut de votre établissement à but lucratif, sans but lucratif, municipal ou autre Et pour ceux qui indiquent autre, j'aimerais bien que dans la boîte de clavardage, vous nous disiez quel établissement, quel type d'établissement vous représentez. Mais la majorité des gens semblent certainement représenter les soins de longue durée. Mais nous avons beaucoup de gens également qui ont d'autres hein, rôles. Alors nous avons des gens qui. Euh, sont attachés à la PCI, la sécurité. Ah, merci, merci de répondre. Nous avons environ 50% des personnes de notre public qui représentent des établissements sans but lucratif, mais nous avons une bonne représentation aussi de personnes qui représentent des établissements à but lucratif et le secteur municipal également. Alors, nous allons mettre un terme à notre sondage. C'est important car cela permet aussi d'illustrer les résultats du sondage national que nous avons réalisé également. Nous le présenterons dans un instant. Bien, alors je crois que nous pouvons mettre un terme au sondage. Alors, nous allons passer à la prochaine diapositive. Voici. Pourquoi HSO et le groupe CSA élaborent-ils de nouvelles normes nationales sur les soins de longue durée Alors HSO et le groupe CSA collaborent, comme je le disais un peu plus tôt, à l'élaboration de deux nouvelles normes nationales pour les soins de longue durée. Et les gens se demandent pourquoi deux Eh bien, c'est pour reconnaître la force de ces deux organismes. HSO se concentrera sur une norme nationale sur les soins de longue durée. Alors pour la prestation de services de soins de longue durée sécuritaires, fiables et de grande qualité, alors que le groupe CSA offre une norme complémentaire qui se concentre sur l'exploitation et la prévention et le contrôle des infections dans les établissements de soins de longue durée. Alors, c'est la possibilité d'aborder la conception et l'exploitation des établissements de soins de longue durée, ainsi que les pratiques de prévention et de contrôle dans ces établissements. J'aime l'expliquer ainsi. Si vous pensez au logiciel, il doit être exploité par un matériel. Alors, évidemment, il y a du chevauchement. C'est pourquoi Alex et moi, comme co-président, eh, travaillons dans le cadre de chacune de ces organisations de manière collaborative pour veiller à ce que les deux normes soient complémentaires et qu'elles puissent effectivement nous aider à faire avancer le secteur des soins de longue durée. Alors. Quel est l'échéancier? Alors, nous avons le même échéancier. HSO et le groupe CSA ont un échéancier commun. Et les gens se disent, ah, il faudra beaucoup de temps. Est-ce qu'on ne peut pas le faire en quelques mois? Mais sachez que il, le Conseil canadien des normes a des processus et des critères très serrés. Le groupe CSA et HSO ont mis au point cet échéancier accéléré, croyez-le ou non, pour que ce soit lancé d'ici la fin 2022. Alors d'abord, il faut créer ce comité technique. HSO et le groupe CSA ont constitué ces comités techniques. Ils ont d'abord fait un appel aux intéressés. Chacun des groupes a créé ce comité technique qui permet de piloter le travail. De juin à août, il y a beaucoup de travail qui se fait pour passer en revue la littérature existante et comprendre le paysage de la recherche déjà réalisée. C'est un examen documentaire qui permet d'éclairer la rédaction des normes qui a déjà été commencée par les deux organismes et par les comités respectifs dès que ces comités auront établi une première ébauche, il y aura un examen public et ensuite grâce à cet examen public, nous inviterons tous membres de la population de prendre connaissance de ce qui a été mis au point jusque-là et ensuite d'offrir sa rétroaction. Et cette rétroaction est nécessaire pour passer à la deuxième série de rédactions de mars à août 2002, où à la fois HSO et le groupe CSA vont prendre connaissance de la rétroaction euh, donnée par le public, que nous tiendrons compte de ces observations avant de publier les normes finales. Alors, il y a beaucoup d'étapes, mais toutes ces étapes sont importantes et conformes aux exigences du Conseil canadien des normes. Alors, c'est un processus en 21 mois. Nous sommes arrivés, bon, le temps file très vite, mais je dirais au moins 4 à 5 mois. Et le travail est évidemment déjà entamé, mais il reste encore beaucoup de temps pour donner son avis. Si vous n'êtes pas membre du comité technique, vous pouvez très certainement, malgré tout, donner votre avis. Alors, je vais dire quelques mots sur ce que fait. Le HSO et ce qu'il fera de sa nouvelle norme. Et ensuite, Alex parlera des travaux du groupe CSA. Alors, pour la norme de HSO, on mettra l'accent sur des pratiques soins de soins centrées sur le résident et ses proches, des soins sécuritaires fiables et de grande qualité, une main-d'œuvre en santé compétente et une culture organisationnelle axée sur les résultats et la sécurité, ainsi que le bien-être de tous les Canadiens. HSO a déjà une norme pour les soins de longue durée et elle est disponible sur le site Internet que je vais afficher dans la boîte de clavardage. Alors, vous pouvez prendre connaissance de la norme existante. HSO avait mis au point cette norme en... 2012 à 2014 et ensuite de 2018 à 2020 chez so a apporté une mise à jour à cette norme mais évidemment maintenant nous avons la possibilité de revoir cette norme pour déterminer quelles améliorations on peut y apporter alors c'est le processus qui est déjà en cours afin de, de l'actualiser et donc je crois à présent que alex parlera de ce que fait le groupe csa en matière de normes nationales. Merci Samir et merci à tous de me donner l'occasion de parler du travail réalisé par le groupe CSA. J'aimerais répéter ce que dit Samir sur le plan de notre collaboration pour la mise au point de ces normes. J'aime beaucoup l'analogie du logiciel et du matériel étant ingénieur moi-même de formation. C'est une excellente analogie. Alors en complément de la norme HSO, le groupe CSA envisage une nouvelle norme nationale concernant le préven le, la prévention et le contrôle des infections dans les établissements de soins de longue durée. Cela comprend toute l'infrastructure elle-même. Alors, on parle de pratiques d'exploitation sécuritaire, de pratiques de prévention et de contrôle d'infection, mais surtout aussi la conception des établissements eux-mêmes pour que la PCI puisse être réalisée facilement, mais que l'on puisse aussi avoir un complément au travail réalisé par HSO. Par exemple, si la norme HSO évoque le type de soins qu'il faut prodiguer, notre norme doit garantir que l'on puisse offrir l'infrastructure nécessaire. Et c'est la raison pour laquelle nous envisageons des choses comme la désinfection, le nettoyage, l'élimination des déchets, le chauffage, la ventilation et l'air climatisé, la plomberie la conception du mobilier, la conception des chambres, les couloirs. Et l'autre chose que j'évoquerai également avant qu'on ne passe à la diapo suivante, c'est que comme HSO, nous avons une approche centrée sur le résident. Donc, nous avons mis au point un groupe de travail constitué de résidents et de proches qui nous permettent d'orienter nos travaux sur eux, car nous ne sommes pas Ici, pour développer, pour mettre au point des normes pour des établissements de soins. C'est pour le logement de personnes qui vivent dans ces endroits, ainsi que le personnel. Donc, nous voulons que la norme tienne compte de cette réalité. Alors, je cède de nouveau la parole à Samir Sinha, qui parlera de l'excellent travail réalisé par HSO pour réaliser un sondage national. Permettez-moi de dire que lorsque nous préparions nos comités techniques et nos sous-comités, nous avons été épatés par l'intérêt, que nous avons reçu des centaines de demandes de participation à ce comité. Et vous savez, le CCN, le Conseil canadien des normes, est très délibéré pour la constitution d'un comité technique. Par exemple, lorsqu'on crée un comité technique, il ne peut pas simplement être quiconque en a envie. Il faut qu'il y ait une représentation géographique, il faut qu'il y ait une bonne expertise. Et pour les normes en santé, il y a une exigence qu'un quart des membres du comité technique, quelle que soit la taille de ce comité, qu'un quart soit résident et proche. Et l'autre quart, doivent être des travailleurs de première ligne, des personnes qui travaillent dans les établissements de soins de longue durée. Un autre quart doit être constitué de décideurs, de responsables des politiques, des gens qui sont férus de gestion, si vous voulez. Et ensuite, le dernier quart est constitué de personnes qui ont une expertise, qui sont des experts ou des chercheurs dans le domaine. Alors, ces quatre groupes sont représentés à hauteur égale dans ces comités techniques. Et plus précisément, lorsqu'on crée un sous-comité, la représentation doit être la même parmi ces quatre groupes. Alors, par exemple, nous avons un groupe de travail qui se concentre sur les trois premières choses qu'on évoquait, c'est-à-dire l'effectif de travail, ensuite les soins centrés sur le résident et ensuite les soins sécuritaires et fiables. Donc, il s'agit de ne jamais perdre cet équilibre, les résidents, les travailleurs, ainsi que les cliniciens et les décideurs. Alors, je souhaitais l'évoquer car nous comprenons l'importance de cet équilibre. Il y a beaucoup de gens qui veulent donner leur avis et donc, s'il si n'est pas possible pour eux de participer à ce comité technique, ils peuvent toujours répondre au sondage. D'ailleurs, je constate que la, la boîte de clavardage est très dynamique. Alors, j'espère que nos amis à ESC nous aideront à y répondre par la suite. Alors, permettez-moi à présent de, de vous présenter les données démographiques générales. Alors, nous avons préparé ces diapositives il y a une semaine ou deux pour les envoyer à la traduction. Alors, nous avons terminé ce sondage le 21 juillet et plus de 16 000 personnes ont répondu. Alors, ici, vous avez un peu plus de 15 300 réponses. Hein, 15 367. Alors, vous voyez bien que les gens s'intéressent beaucoup à euh, ces questions. Alors, je vais vous montrer qui répond. Et d'ailleurs, on présentera les questions que nous avons posées un peu plus tard. Alors, le sondage était ouvert à tous, hein, quiconque est au Canada et qui s'intéresse à la question et qui veut remplir le sondage. Et le sondage était ouvert à partir du 31 mars et il a pris fin le 31 juillet. Alors, la grande majorité était des anglophones et une excellente représentation des femmes. Mais aussi, on reconnaît le fait qu'un grand nombre des personnes qui participent sont peut-être euh, des travailleurs de première ligne. Et la, la majorité de cet effectif est constitué de femmes. Et la majorité des proches aidants sont souvent des femmes aussi. Et la majorité des résidents en soins de longue durée ont tendance à être des femmes. Et lorsqu'on leur a demandé quel était leur âge, de nouveau, vous allez voir un éventail très départagé. Donc, ce ne sont pas que des personnes âgées, mais même des personnes de 18 à 29 ans et de 30 à 34 ans. Donc, beaucoup de gens qui ont participé à ce sondage. Alors, lorsqu'on a demandé aux gens où ils vivaient, on avait une représentation de toutes les provinces et territoires. On dit territoire du nord-ouest, par exemple, Nunavut, Yukon, 0% ont n'a un taux de réponse équivalent à leur pourcentage de la population au Canada. Nous avons certainement eu des réponses. Il est mis 0% parce que cela ne constitue pas tout à fait 1%. Mais nous avons eu un bon taux de réponse de d'un grand nombre de provinces et territoires. Alors, s'agissant du nombre total de réponses, on pouvait l'identifier par divers moyens, mais lorsqu'on leur posait la question, qui représentez-vous Il y a beaucoup de gens qui étaient des procédants, des procédants non rémunérés. 18% étaient des prestataires de soins eux-mêmes, mais il y avait aussi des gens qui n'étaient pas prestataires de soins. Mais qui travaillent dans le secteur, par exemple, les gestionnaires. Nous avions des citoyens préoccupés, ainsi que d'autres personnes. Donc, une participation très vigoureuse, surtout de la part de procédants et de personnes qui travaillent dans le secteur. Et ensuite, pour ce qui concerne d'autres aspects, nous sommes très heureux de voir que nous avons eu des réponses de personnes qui s'identifient comme Métis, inuits ou uh, membres des Premières Nations. Et nous avons eu un certain nombre de personnes, vous allez voir, certaines personnes qui ont préféré ne pas répondre à cette question. Et nous avons entendu une rétroaction de la personne qui, de personnes qui ne voulait pas répondre. Surtout concernant leur fonction, d'où ils venaient, parce qu'un grand nombre de personnes ne voulaient pas être identifiées par leurs réponses, car beaucoup de personnes rédigeaient des commentaires et parlaient de leurs craintes par rapport à qui lirait ces commentaires. Ils craignaient de dire qui ils étaient, donc, dans ces circonstances. Et nous le respectons, mais nous l'avons indiqué comme aucune réponse. Nous avons une bonne proportion de personnes qui s'identifiaient comme minorité visible, presque 1000 personnes s'identifiaient aussi comme personnes qui ont un handicap. Alors, lorsqu'on examine les réponses que nous avons reçues, ces cadrans que vous voyez à l'écran représentent une des questions principales que nous posions. Certaines des questions qu'on vous a posées également dans le cadre des sondages qu'on a affichés. D'abord, on a demandé aux Canadiens. Êtes-vous au courant de l'existence de normes actuelles en établissement de soins de longue durée au Canada? 50% des répondants ont dit oui et 50% ont dit soit non ou qu'ils n'avaient pas de réponse. Ensuite, selon vous, les établissements de soins de longue durée au Canada offrent-ils des soins sécuritaires fiables et de grande qualité? Alors là, c'était réparti 50-50 entre ceux qui étaient d'accord et ceux qui étaient en désaccord. Et dans ce cas-ci, c'était intéressant, on avait un certain nombre de personnes, le plus grand groupe n'avait pas de réponse. Pour ceux qui donnaient une réponse, la majorité disait qu'ils étaient en désaccord avec la question à savoir si les soins étaient sécuritaires, fiables et de grande qualité dans les établissements de soins de longue durée. Ensuite, on a dit, selon vous, les établissements de soins de longue durée devraient-ils être tenus de respecter les normes en matière de soins de longue durée? Donc, dans le groupe d'aujourd'hui, 99% des gens disaient oui. Et dans ce groupe-ci, similairement, 0% ont dit non, 61% ont dit oui, mais un grand pourcentage n'a pas répondu à cette question. Et quatrièmement, à la lumière de vos réponses au sondage, quel est le sujet de préoccupation le plus important que les normes nationales pour les soins de longue durée devraient aborder? De nouveau, on parlait de soins de grande qualité, sécurité, main-d'œuvre effectif, mais aussi l'importance du financement et la question de la propriété, c'est-à-dire les établissements sont-ils à but lucratif ou non? Alors, lorsqu'on demandait aux gens, qu'est-ce qui est le plus important pour vous lorsqu'il s'agit d'offrir des pratiques de soins centrées sur le résident et les proches, qui valorisent l'importance du respect de la dignité, de la confiance et de la qualité de vie dans les établissements de soins de longue durée, ils nous ont dit qu'ils étaient tous importants. On a parlé de l'importance d'avoir des équipes interprofessionnelles, bienveillantes, compatissantes et compétentes. Les gens ont parlé de l'importance de la collaboration, de la communication, de la pensée critique et de la créativité, et aussi cette notion que la prestation des soins doit comprendre le résident et ses proches. Et on a parlé aussi de privilégier les droits, les besoins et la satisfaction des résidents. L'importance aussi d'offrir des soins adaptés sur le plan culturel et qui puissent répondre aux besoins changeants et de plus en plus complexe de la population de résidents. Et les gens nous ont dit aussi qu'ils voulaient que les soins incarnent les qualités que l'on trouve à la maison, c'est-à-dire vie privée, confort, propreté. On veut qu'il y ait des, des repas de qualité. Alors c'est très utile. Cela nous permet de nous appuyer sur ces réponses pour établir ces normes. Et d'ailleurs, j'ai quelqu'un... Un chercheur qui travaillait pour moi, un étudiant en postdoctorat, qui a passé en revue toutes ces réponses, les 16 mille réponses. Et d'ailleurs, nous allons communiquer ces réponses à des collègues, entre autres des services à la population autochtone, car nous estimons que ces réponses peuvent nous aider à éclairer des domaines comme ceux-là également. Ensuite, la prochaine question. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important lorsqu'il s'agit d'offrir des soins sécuritaires fiables et de grande qualité dans les établissements de soins de longue durée? Les gens ont dit qu'il fallait que ce soit le minimum, le strict minimum. On a parlé de soins équitables dans l'ensemble des régions. On veut qu'il y ait des soins uniformes, accessibles, abordables et qui tiennent compte de la culture du résident. On parle d'une culture qui accorde la priorité aux soins plutôt qu'aux bénéfices améliorer les conditions de vie et de travail également. Les gens veulent qu'il y ait des lignes directrices et un soutien qui permettent d'établir des normes minimales atteignables qui reflètent les pratiques exemplaires en matière de soins, de conception et de technologie. Alors, dans ce cas, on rejoint un peu les forces du groupe CSA. Et enfin, assurer la responsabilisation et la transparence organisationnelle. Des gens ont dit en grand nombre qu'on peut avoir les me meilleures normes au monde, mais si on ne les finance pas c'est bien difficile de les réaliser. Lorsqu'on a demandé aux gens, selon vous, qu'est-ce qui est le plus important lorsqu'il s'agit de maintenir une main-d'œuvre en santé compétente dans les établissements de soins de longue durée, les gens évoquaient le fait, et ça ne vous étonnera pas, sécurité d'emploi, possibilité d'emploi à temps complet, rémunéré équitablement, un milieu de travail positif, favorable, permettant de s'affirmer. Le fait que l'on respecte la main-d'œuvre, qu'on la valorise, que le leadership soit présent et ouvert à la rétroaction. Privilégier la santé et la sécurité au travail également. Des rapports de main-d'œuvre aux résidents qui soient opportun et des soins offerts en temps voulu et également des vérifications régulières auprès de la main-d'œuvre pour vérifier que cette main-d'œuvre demeure en santé et qu'elle demeure bien dans sa peau. Vous savez peut-être que la commission sur les soins de longue durée de l'Ontario a communiqué l'importance dans son rapport d'avoir accès à des soutiens en santé mentale pour le personnel, étant donné les traumatismes vécus par ce groupe de membres du personnel en soins de santé, surtout depuis un an. Les euh, résidents, comme vous le savez, ont été plus dur, durement touchés par la crise que tout autre. Et enfin, normes en matière de formation et de compétences. Dans ce cas-là, il était question de normes et de réglementations en matière de droit d'exercice et aussi des possibilités de mentorat et de formation continue au travail. Donc, beaucoup de commentaires qui nous permettent de réfléchir à l'habilitation, la la l'autonomisation des personnes qui travaillent dans les établissements de soins de longue durée, car le personnel de, de l'établissement est l'échine dorsale de tout le secteur. Quatrième question, et là ça rejoint un peu ce que fait le groupe CSA. C'est pourquoi nous avons posé la question dans le sondage. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important dans l'environnement, le fonctionnement et l'entretien des établissements de soins de longue durée pour améliorer la qualité de vie des résidents et des proches? De nouveau, les gens évoquaient ce qui était le plus important. HSO veut mettre au point une norme qui tienne compte de ces éléments. Évidemment nous nous concentrons sur ce que j'appelle le logiciel, la prestation des services, mais il faut avoir l'infrastructure en place, c'est-à-dire mettre l'accent sur l'amélioration de la qualité de vie des résidents, qualité de l'air, éclairage, qualité son sonore. Petits bâtiments à faible densité, chambres individuelles, espaces accessibles et agréables sur le plan esthétique, la sécurité, se préparer aux situations d'urgence et viser des normes les plus rigoureuses en matière de propreté et d'entretien. Et Bon, un travail qu'on se dit, bon, est-ce que c'est vraiment l'objet de nos travaux? C'est tout à fait essentiel. Et voici donc l'excellent travail réalisé par le groupe CSA. Alors, de nouveau, je vais dire quelques mots sur ce que fait HSO pour continuer d'encourager la participation. Alors, c'était la première enquête, en première enquête, et plus de 16 000 Canadiens y ont participé. Alors, si vous avez participé à cette enquête, merci. Les gens disent toujours, bon, pourquoi est-ce que je remplis un sondage Qui lit ça Non, en fait, quelqu'un le lit, je vous le dis. Euh, c'est très important. Ce sont les résultats, tandis qu'on qu les recevait, qui étaient envoyés au comité technique. Et c'est ce qui permet aussi d'aider le comité technique. À préparer ses travaux, c'est-à-dire que le comité technique doit comprendre quelles sont les euh, volontés de la population canadienne. À partir de ces résultats, le comité technique a identifié quelques questions additionnelles qu'on voulait poser aux Canadiens. Par exemple, les gens disaient On veut quelque chose qui ressemble à une maison. Alors, on a demandé aux gens C'est quoi pour vous une maison du point de vue d'un résident et du point de vue du personnel également, du point de vue des proches, des membres de la famille, on voulait avoir des réponses un peu plus précises. Donc HSO, conséquemment, en raison des résultats de cette enquête, a mis au point un nouveau cahier de consultation qui a été publié la semaine dernière. Et donc, ces questions peuvent être envoyer à quiconque et n'importe qui peut remplir ces questionnaires. Vous pouvez obtenir le cahier et le remplir comme personne intéressée ou alors, si vous voulez participer à un groupe de discussion, vous pouvez le faire. Nous avons des groupes au niveau des résidences qui peuvent donc remplir un cahier ensemble ou alors individuellement. Vous pouvez euh, même le remplir à la fois en groupe ou et seul. Alors, si ça vous intéresse de participer à cette prochaine phase de consultation, vous pouvez y avoir accès grâce à notre site Internet, donc normenational.ca. Et si vous voulez aller directement au cahier, vous, a, vous ajoutez barre oblique participer. Et nous avons aussi organisé des assemblées populaires. Alors, les cahiers peuvent donner lieu à toutes sortes d'assemblées, mais HSO va également organiser des assemblées populaires de plus grande taille avec des groupes précis, des groupes cibles pour veiller à faire entendre la voix de certains de ces groupes pour être sûr de pouvoir répondre à ces questions et les approfondir. Alors, c'est fait également, et comme je le disais un peu plus tôt, la, la HSO et scsa CSA doivent également soumettre leurs travaux à un examen public. Il y aura donc une période de 60 jours de janvier à mars ou quiconque s'y intéresse pourra prendre connaissance de ce qu'on a rédigé et nous donner son point de vue. Et les résultats de l'enquête que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, ils seront partagés dans un rapport public qui sera publié avec les résultats finaux en septembre. Et les résultats de la consultation des assemblées populaires sera rendue publique en janvier. Alors, nous allons continuer à produire des rapports de sorte que chacun puisse prendre connaissance de ce qui se fait. Alors, je vais céder la parole à Alex qui va maintenant présenter les travaux en cours de CSA. Merci beaucoup, Samir. Alors, de nouveau, merci à votre équipe pour l'excellent travail que vous avez réalisé, les excellentes données que vous nous avez communiquées. Alors, en plus de en des enquêtes de HSO et des consultations déjà réalisées par euh, HSO et celles qui sont à venir, CSA a aussi des séances de participation améliorées. En ce mois-ci, le 11 août, nous avons amorcé une série de consultations, des enquêtes qui s'adressent à des publics chez qui on cherche davantage d'informations. Vous voyez les trois groupes affichés à l'écran. L'équipe CSA pourra afficher les liens dans la boîte de clavardage s'il vous intéresse. Nous vous encourageons vivement à les remplir. Nous voulons que vous les remplissiez. Vous-même, mais que vous les distribuiez dans vos réseaux également. C'est ce que l'on fait, car on veut veiller à avoir le plus grand nombre de répondants possible pour avoir le plus de données possibles. En plus des enquêtes, similairement à ce que fait HSO, on envisage aussi des consultations virtuelles ou nous travaillons avec diverses organisations partenaires comme AgeWell et d'autres afin d'avoir des conversations sur certaines questions très pointues qui ont été soulevées, soit suite à l'enquête de HSO ou de consultations précédentes. Vous voyez ici, par exemple, les divers groupes qui ont été consultés jusqu'à présent et ceux qui sont sur le point d'être consultés. Nous commençons par des consultations plus générales avec un, un groupe plus général, ce qui nous a permis de donner le coup d'envoi à nos normes, quels sont les aspects sur lesquels on devrait se concentrer. Ensuite, on s'est concentré sur les travailleurs de première ligne et ça a été très éclairant pour comprendre comment nos normes on doit tenir compte de la sécurité des travailleurs de première ligne eux-mêmes, dont les proches aidants, qui sont un élément essentiel de ces soins. Et nous avons également fait une enquête auprès de la communauté autochtone. 25 personnes ont assisté. C'était un petit groupe, mais ça a été vraiment très éclairant. L'information que nous avons obtenue de nos parties prenantes autochtones pendant cette consultation était très précieuse et nous a rappelé le besoin. Oui, de mettre au point une norme nationale, mais cette norme doit être suffisamment souple pour tenir compte du contexte local, géographique, mais aussi culturel. Donc, nous avons appris des choses fascinantes pendant cette consultation et nous aurons également une, une consultation virtuelle auprès de la communauté LGBTQ2S, le 19 août. Alors, comme vous le voyez ici, nous avons consulté d'autres publics lors de ces consultations. Alors, j'ai parlé d'AgeWell. On a aussi consulté CanAge. C'était également très éclairant. Nous aurons aussi une consultation auprès des travailleurs de première ligne en français, Bruyère à Ottawa pilote ces travaux. Et ensuite, une autre consultation auprès des exploitants, auprès de l'Association canadienne des établissements de soins de longue durée. Ce sera le 25 août. Alors, si ces consultations vous intéressent, n'hésitez pas à nous le dire dans la boîte de clavardage. L'équipe de CSA communiquera avec vous pour veiller à ce que vous puissiez y participer. Alors, je pense que nous avons déjà évoqué cet échéancier. Alors, je ne vais pas de nouveau le reprendre. Mais la seule chose que j'ajouterais à ce qu'avait dit Samir, c'est que il s'agit d'un échéancier très accéléré. Normalement, une norme CSA prend 4 à 5 ans avant de suivre son cours avec l'examen, etc. Cependant, on sait que cette norme est urgente. C'est la raison pour laquelle nous avons une approche très dynamique et les équipes de CSA et HSO ont été formidables. Elles exigent que nous respections cet échéancier et nous le faisons avec joie. Alors voilà, sur ce, je cède la parole à Samir qui, je crois, animera la période de questions. Alex, je crois plutôt que nous allons céder la parole à quelqu'un d'un peu plus chevronné que moi en matière d'animation. Je crois que Tania nous aidera à choisir les questions et nous y répondrons le mieux possible. Vous avez tout à fait raison, Samir. Il y a beaucoup de questions. On va essayer de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Alors, je commence par la première question que nous avons reçue et s'adresse à Samir. Pour mettre les décès en soins de longue durée en perspective, savez-vous combien de décès attribués à des causes naturelles se sont produits en même temps que la COVID-19 Alors, en Colombie-Britannique, 151 résidents sont décédés de COVID et 4500 résidents sont décédés d'autres causes naturelles, par exemple isolement, dépression et ainsi de suite. Alors, voilà une excellente question. Je n'ai pas de données bien arrêtées. On essaie toujours d'approfondir ces questions. Nous avons d'ailleurs un accord avec l'ICIS. On examine toutes ces données pour toutes les provinces et tous les territoires pour savoir qu'est-ce qu'on a déclaré relié à la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée. Mais nous avons travaillé avec les IRSC. Nous avons publié. Un rapport récemment et nous avons indiqué qu'il y avait très certainement eu des taux de décès plus élevés dans des établissements de soins de longue durée. Cela ne peut pas simplement être attribué aux décès associés à la COVID. Il y a des personnes qui pouvaient décéder de la COVID ou décéder tandis qu'ils étaient infectés de la COVID, mais qui n'avaient pas forcément occasionné leur décès. Nous savons aussi que l'isolement a eu un impact considérable sur les résidents. Dans certains cas, cela a peut-être mené au décès, qu'il y ait eu éclosion dans euh, l'établissement ou non. Donc, il y a toujours beaucoup à apprendre, mais cela nous aide beaucoup à en, en apprendre davantage par rapport au risque. Donc, risque d'infection à la COVID, oui, mais il faut parler aussi d'isolement, de solitude et d'ailleurs le syndrome du confinement tel qu'il a été établi par des chercheurs français. Merci. Il y a beaucoup de questions et d'observations également visant à déterminer comment ces normes seront mises en œuvre. On demande de confirmer si les normes établies par HSO seront effectivement mises en œuvre. En collaboration avec CSA? Oui, alors s'agissant des normes elles-mêmes, les normes seront des normes. Donc, groupe CSA et HSO met au point ces normes qui seront disponibles dès l'automne de l'année prochaine. Alors, comme je le disais plus tôt, les normes peuvent être utilisées pour n'importe quoi. Ça peut être euh, utilisé pour la loi, pour euh, de la réglementation, pour euh, l'agrément. Alors, ce que l'on sait pour le moment, c'est que 60% des établissements de soins de longue durée du Canada sont homologués par Agrément Canada. Et Agrément Canada se sert de la norme de HSO pour établir son agrément. 80% des établissements du Canada sont agréés et il y a d'autres organismes d'agrément qui se servent d'autres normes qui sont peut-être localisés aux États-Unis ou ailleurs. Mais, Agrément Canada, Leslie Thompson, sa PDG, a dit, Samir, quoi que votre comité établisse, cette nouvelle norme sera à la base des travaux d'Agrément Canada. On demande si ces normes sont obligatoires ou volontaires. Bon, ça dépend de la province et du territoire. Par exemple, au Québec, il est obligatoire, 100% des résidences doivent participer à un processus d'agrément avec Agrément Canada qui se sert de la norme HSO. Alors, on s'attend dès l'automne l'année prochaine, que 100% des établissements québécois appliquent la nouvelle norme HSO. Et il y a des provinces où c'est obligatoire, comme le Québec, et il y a d'autres provinces où c'est facultatif. Et dans ces cas-là, il y a parfois quand même 100% des établissements qui appliquent la norme. Alors de nouveau, je ne vais pas spéculer. Est-ce que euh, dans ce cas-ci, les normes seront obligatoires ou facultatives? Mais enfin, on espère qu'elles seront appliquées. L'engagement dans le gouvernement, euh, dans le budget du gouvernement euh, fédéral, 3 milliards pour mettre en œuvre cette euh, norme, on espère que cela permettra de les appliquer. Je ne sais pas si Alex a quelque chose à, à ajouter par rapport aux normes CSA. Bien écoutez, comme Samir le disait, les normes de CSA ne sont pas obligatoires et elles ne sont pas légiférées dans la grande majorité, mais ce qu'on espère, c'est que ce soit une norme légiférée pour tous les établissements de soins de longue durée. Je ne pense pas cependant que cela se produira très bientôt. Notre travail consiste à établir des normes qui sont difficilement rejetables. Nous voulons avoir des normes axées sur le résident, mais aussi axées sur l'exploitant. Alors nous avons beaucoup consulté partout au Canada pour essayer de comprendre les réalités dans chacune des provinces et chacun des territoires pour essayer de tenir compte de leur réalité. Au même moment, nous avons parlé avec beaucoup d'exploitants par rapport à la mise en œuvre de ces normes. La dernière chose que j'ajouterai, c'est une des choses les plus difficiles à faire pour assurer la mise en œuvre de ces normes, c'est de trouver l'équilibre entre la mise au point d'une norme pour les résidences de l'avenir par rapport au centre actuel. Bon, et il y a des gens qui nous disent, on ne peut pas mettre en œuvre X, Y, Z, qu'est-ce qu'on peut faire en solution de rechange? Alors, nous allons rédiger une norme qui comprendra ces possibilités, c'est-à-dire, idéalement, voici la norme, voici ce qu'on devrait faire. Cependant, si ce n'est pas possible, voici d'autres choses qui peuvent être faites pour atténuer les difficultés, pour se rapprocher de la norme elle-même. Alors, je pense qu'il faut faire preuve de souplesse, il faut... Renseigner. Une chose que j'aurais dû signaler sur le plan des consultations, d'ailleurs, c'est que nos consultations ne vont pas prendre fin avec la rédaction et la publication de la norme. Nous allons continuer de faire des consultations et de renseigner après coup pour essayer de travailler main dans la main avec les exploitants d'établissements de soins de longue durée, les provinces, les territoires, pour qu'ils comprennent qu'en fait, ça n'est pas un grand défi que de mettre en œuvre ces normes. En fait, ça peut être fait de manière assez fluide et que cela améliorera la qualité de so des soins de l'ensemble des résidents. La prochaine question s'adresse à Samir Darla Matheson. Est-ce que vous allez envisager de nouveaux modèles provenant d'autres pays, par exemple aux États-Unis ou en Scandinavie? Oui. Alex et moi sommes d'accord, tout est sur la table. Ce que nous avons fait comme première étape, c'est d'examiner ce qui se fait dans beaucoup d'instances, quelles sont les meilleures données probantes disponibles et quelles sont les meilleures données probantes disponibles au Canada qui nous permettent d'envisager divers aspects. Et un élément clé, c'est qu'on ne veut pas forcément être trop précis. Par exemple, on ne veut pas dire vous devez faire telle chose ou vous devez faire telle autre chose. On ne veut pas être trop prescriptif car il faut que ce soit faisable, réalisable. Alors, on cherche plutôt à établir nos ambitions et s'il y a des modèles qui fonctionnent, et par exemple en Scandinavie ou le modèle américain, au final, tant qu'on atteigne les bons objectifs, on veut que ce, ce soit... L'établissement qui décide le meilleur moyen d'atteindre la cible, c'est-à-dire de mettre en œuvre cette norme. Et évidemment, on peut avoir les meilleures normes au monde, mais comme Alex le disait, on vient de voir la semaine dernière ce qui s'est passé au Manitoba, un des le vieux établissement du centre-ville de Winnipeg vient d'annoncer qu'il fermera ses portes parce qu'il n'a pas les moyens de rénover pour respecter les normes contemporaines. Il a été construit il y a 60 ans. Alors, on veut certainement éviter ce genre de situation. On ne veut pas perdre de capacité dans le système. Mais évidemment, au final, le gouvernement responsable du financement de la prestation des établissements de soins de longue durée, doit être convaincu. On doit expliquer ces normes et on doit expliquer comment ces normes peuvent être réalisées. Et donc, il ne s'agit pas seulement de financer la mise au point du logiciel, comme je le disais, il faut aussi le matériel. Vous savez, il faut qu'il y ait suffisamment. De, de personnel, mais on ne veut pas entrer dans le financement, mais ce seront effectivement des éléments habilitants. Alex, vous avez quelque chose à ajouter? Non, je pense que c'est complet. Et je pense qu'il faut rappeler quel est le défi qu'on a accepté. On veut que tout le monde voit l'avantage de la norme. Nous avons beaucoup d'autres questions. Je vais vous les envoyer après le webinaire d'aujourd'hui. Mais comme le temps file, Alex, je vous demande, on sait que beaucoup d'exigences sont déjà en place, surtout pour les professions réglementées. Alors, comment les provinces pourraient-elles incorporer les normes dans euh, les normes existantes à ce niveau? C'est une excellente question. Une chose que l'on veille à réaliser, en fait, c'est de ne pas réinventer la roue. Notre norme fait fond sur un grand nombre des normes existantes pour les établissements de soins de longue durée. Nous allons faire référence à ces autres normes probablement et donc un défi qu'on s'est donné, c'est de renseigner le comité technique par rapport à ces normes déjà en place, les normes existantes, et on veut que cette intégration soit aussi fluide que possible. Eh bien, pour faire fond sur ce que disait Alex, c'est une chose qui a été faite par HSO et CSA, c'est-à-dire de mettre au point un conseil consultatif. Nous avons un partenariat avec les représentants du gouvernement fédéral, mais aussi des provinces et territoires qui ont la responsabilité des établissements de soins de longue durée. Afin qu'on puisse partager de l'information, qu'il n'y ait pas de surprise. Nous veillons à ce que ce que l'on fait soit complémentaire et ne fasse surtout pas concurrence et ne soit pas trop perturbateur. Bien, alors merci beaucoup à vous deux d'avoir fait un aperçu d'avoir présenté un aperçu de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Nous avons encore beaucoup de questions et d'observations et nous allons les partager à la fois avec vous et avec les participants, ainsi que les diapositives, car beaucoup de personnes ont demandé à voir les diapositives. Merci beaucoup à Samir et à Alex. Alors, pour vous tous, si vous êtes inscrits au programme SLD, n'oubliez pas que le 2 septembre, il y aura une assemblée publique organisée par HSO. C'est un événement spécial. Donc, certains d'entre vous êtes déjà inscrits au caucus, mais dans ce cas-ci, il faudra vous inscrire à part. Ça ne fait pas partie du calendrier régulier. Alors, veillez à vous inscrire à cette assemblée publique. HSO cherche votre rétroaction. Et nous apprécions beaucoup votre rétroaction sur la séance d'aujourd'hui. Alors, veuillez remplir le sondage affiché à l'écran et un petit rappel. Le prochain caucus, Bon, à part évidemment euh, cette assemblée publique le 2 septembre qui durera une heure et demie, organisée par HSO, je le rappelle. Alors, le prochain webinaire aura lieu le 13 septembre et sera animé par Julie Drury qui présentera Espace Mieux-Être Canada, un portail sur la santé mentale pour tous. Alors, merci beaucoup, merci Alex, merci Samir d'avoir présenté de l'information sur cette norme nationale. Les gens se réjouissent de voir les mises à jour par rapport au processus, alors nous nous réjouissons de pouvoir vous rencontrer à l'avenir à nouveau. Merci. Merci à tous. Au revoir.